dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin tout le monde, ça va bien? Moi, oui, je vais bien. Vous entendez les bonhommes à Jason parce que j'ai mis parce que c'est bien la seule fois de la journée qu'ils vont en avoir après toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il y aura de la visite. Fait que, de toute façon, ils mangent des petites mûres. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est ça. Dans le fond, là, il est 10h30. Le monde arrive vers 11h30. Fait que, tu sais, je vais juste faire déjeuner un petit quelque chose en attendant. Fait que j'ai frisé mes cheveux. J'aimerais pas ça. Mais là, ils sont tellement doux que moi, normalement, je mets pas du fixatif là, parce que ça tient bien, mais ils sont tellement doux que j'ai l'impression genre que ça tiendra pas. Donc là, ah oui, vous pouvez bien voir là au soleil que c'est pas noir, c'est comme plus brun foncé. Ouais, ok, c'est ça. C'est le grand jour où on annonce le sexe de bébé 2. Mais là, si vous voyez cette vidéo, allez voir sur ma chaîne principale, j'ai fait un vidéo court du dévoilement du sexe du bébé. Donc aujourd'hui, c'est le vlog complet. Alors oui, j'ai hâte. Là, je suis déjà habillée en robe. Anthony est parti. Allô! Allez, mon bébé! Lui, je l'ai pas mis sa chemise tout de suite parce que je me suis dit qu'elle allait la saler avec des murs. J'ai trouvé une chemise corail bleu. J'ai mis genre une fois quand on était à Québec. Je dois le faire encore, là. C'est une 12 mois. Ouais, t'as un petit peu ça peut être. Parce que la chemise qu'il y avait à sa fête, c'est une 18 mois. Fait que là, j'ai quand même plusieurs choses à faire. Je vais comme passer à la balayeuse en premier. Puis je vais commencer à préparer mes brochettes de fruits et tout ça, là. Parce que Anthony est parti à 20. Il aurait fallu qu'il parte comme à 10h. Mais bon, ouais, c'est ça. Fait que là, on m'occupe de Jaden en même temps. Bon, fait que j'ai les brochettes de fruits qui sont faites. J'ai les muffins tranchés. J'ai mon plateau que je suis vraiment fière du résultat. C'est vraiment beau, je trouve. Ouais. Ok, là j'ai ça. Oh, ok, un bébé qui chiale. J'ai mis les trucs qui restaient ici. Tu veux les donner? Je n'ai pas encore capable. Oh, on touche le nez? Oh, attention aux yeux! C'est la pratique, est-ce que meilleure? L'histoire a dit qu'elle a un alien.
Mais là, il était petit, là, il avait 17 semaines. Ouais. Fait qu'il était gros de même, faut vous imaginer, là. Ah ouais. Ça, c'était son corps entier. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, elle va bien, là. Ouais. Eh, non, bébé. Hein? Ben ils vont le montrer là le pédé. On le voit tu le modèle c'est un gars? Ouais. Je pense qu'elle écrit garçon dans l'image. Jaden était plus vieux. Ouais, Jaden avait 20 semaines. Jaden avait 23 semaines. Il y a déjà quelqu'un il est là. Jaden il montait. Ah Pablo comment jouer? Bon tout le monde, je viens juste de filmer le dernier bout de l'annonce du sexe. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous annoncer le nom du garçon. Donc le nom du garçon, ça sera Maverick. Donc M-A-V-E-R-I-C-K. Donc voilà. Bon tout le monde, je peux vous à côté, non? Ok. Ok, c'est ça. Je suis en train d'exporter mes bouts de vidéos que j'ai filmées pour pouvoir vous éditer mon vidéo pour demain, pour le gender reveal. Pas le vlog complet là, que vous voyez en ce moment, mais juste le vidéo court. Ok, là j'ai fait ça. Puis, je suis vraiment fatiguée là. Il est 3h38. Jaden est en train de faire sa sieste. Ça me fait vraiment rire. Enfin, je suis en train de. J'ai plein de commentaires là, que vous essayez de deviner. Puis je pense que, comme peut-être 80% d'entre vous pensent que c'est une fille. Donc là, vous savez que c'est un gars. Mais c'est quand même drôle là. Parce qu'il y en a plein qui disent que, genre, dans les vidéos, j'ai dit elle. Puis tout ça. Mais je sais, la fois que tout le monde pensait ça. Mais je parlais de ma bédaine. Genre, tu sais, je dis elle. Puis la fois, je dis ah. Comme lui, dans le sens, je parlais de la grosseur du bébé, genre. Puis, j'ai pas coupé parce que moi, dans le fond, je parlais de ma bédaine, tu sais, parce que si j'aurais dit lui, tu sais, quelque chose qui pouvait insinuer que c'est un gars ou une fille, peu importe, tu sais, je supprimais comme pour pas qu'il y ait de soupçons ou quoi que ce soit. Puis, je parlais vraiment de ma bédaine, genre. C'est pour ça que c'était au féminin. Il y en a qui l'ont compris, là. Mais il y en a plein qui pensaient que je voulais dire elle parce que c'est une fille. Et puis là, il y en a plein qui disent genre c'est sûr c'est une fille parce que je cache genre les choses. Mais comme, mais non, c'est un gars. C'est mon rôle. Puis c'est ça, dans le fond, j'en ai pas parlé, là, j'ai oublié de vous en parler. Mais on est vraiment contents là, que c'est un petit gars. Moi, dans le fond, là, quand je vous avais dit, ben je vous en avais parlé que j'aimerais ça avoir une petite fille parce que j'ai peur de pas avoir de gars. Mais tu sais, on... Non, inverse. Parce que j'ai peur de ne pas avoir de filles, mais on a décidé en fin de compte d'avoir 4 ou 5 enfants. Donc, tu sais, il me reste quand même pas mal de chances d'avoir une fille, là. Puis, pour Jaden, ben ça, je l'avais dit plusieurs fois, là. Dans le fond, si c'est un gars, ben l'avantage vraiment, c'est que pour Jaden, ça va être vraiment le fun, là. Ils vont aimer les mêmes choses et tout ça. Fait que, on est vraiment contents. Puis, je suis trop contente parce que moi, j'adore le nom du gars qu'on a trouvé. Puis, c'est ça. Je suis toute excitée. J'ai vraiment hâte d'accueillir ma brique. Bon tout le monde, je m'en vais dans le bain. Je vais vous dire bonne nuit. Puis, oh mon dieu. Genre, je comprends vraiment là, comme la curiosité des gens à vouloir savoir le sexe. Ben là, vous savez, là, mais comme aujourd'hui, en postant les photos, il y en a qui voulaient absolument le savoir, genre là. Puis, je comprends la curiosité, mais je pensais pas que ça allait comme vraiment aller à ce point-là, de genre fouiller dans les Facebook de membres de ma famille. Parce que moi, dans le fond, Cynthia, la sœur Anthony, m'a demandé quand j'ai posté mes photos. Moi, je les ai postées sur Facebook. Puis, je sais que moi, mon profil est privé, elle m'a demandé si elle pouvait les poster. Fait que j'ai dit oui, tu sais, qu'elle pouvait les poster, ça me dérange pas. Là, je savais que. Je sais que j'ai des abonnés qui sont dans ses amis à elle. Fait que je savais qu'eux allaient le voir. Mais son profil à elle est public. Alors, en fait, ben, y en a qui ont cherché son nom et qui ont été, je suppose, c'est des personnes qui ont décidé d'aller chercher. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Des personnes qui ont décidé d'aller. Anthony? Bon, Anthony est avec Jaden là. Je sais pas pourquoi il pleure s'il est tombé quelque chose. Mais.
Je pensais pas que, mon dieu, que le monde genre allait fouiller les noms de membres de nos familles pour trouver des photos. Genre, c'est vraiment intense là. Mais, tu sais, ok, je comprends, il y en a qui sont curieux là. Mais moi là, c'est les personnes qui sont venues l'écrire genre sur Instagram. Ceux qui sont venus dire ah, je sais, c'est un gars parce que tu j'ai vu la sur la page d'Anthony, elle dit que c'est un gars. Puis là, genre, parce qu'il y en a comme une couple, il y en a quelques-uns, puis le monde écrivait genre, il y en a deux là qui taguaient les autres personnes, genre non, c'est pas une fille, c'est un gars. C'est écrit sur Facebook, tu sais, genre vraiment là, intense comme. Mon dieu. Faudrait que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Bon, Jaden s'est pris la main dans quelque chose qu'il vient de me dire, mais qui est correct. En tout cas, tout ça pour dire, genre, je comprends vraiment la curiosité, mais genre, quand ta curiosité est comblée, pourquoi, genre, aller le dire aux autres quand que vous savez pertinemment que, genre, je veux le garder secret? Comme, je vous dis, là, il y a 2-3 personnes qui s'amusaient à écrire. C'est écrit sur Facebook la soeur à Anthony, c'est écrit sur Facebook de Cynthia, c'est un gars, sérieux genre, tu penses vraiment premièrement que je vais laisser ton commentaire, tu genre, tu sais, je veux garder le suspense, puis tu viens l'écrire genre, pas, je parle pas, parce qu'il y en a qui l'ont vu puis qui m'ont écrit, tu sais, sur le Facebook à Cynthia, c'est écrit, c'est correct là, ceux qui m'ont écrit ça, mais ceux qui m'ont, qui écrivaient genre, c'est un gars genre sur les photos parce que c'est écrit sur son Facebook, j'étais comme, ben voyons donc genre, c'est du monde qui respecte juste pas mes choix comme de vouloir les garder secrets pis qui veulent absolument dire que eux ils savent pis que c'est ça genre. En tout cas, fait que pour de vrai ces personnes là là je les ai supprimées genre. Ces personnes là ils respectent juste pas mon choix de vouloir garder certaines choses privées pendant même pas 24 heures genre, j'arrivais pas à croire. En tout cas, fait que là c'est intense là. Ok, je vais retourner en bas pis je vous dis bonne nuit.